Qui n'a pas peur de perdre son emploi, prend toujours une pause à 10 heures, part souvent en vacances, facile, un fonctionnaire. Je suis sûr que tout le monde ici connaît une blague sur les fonctionnaires. À propos, combien y a-t-il de fonctionnaires dans cette salle Reconnaissons-le, quand on imagine les fonctionnaires, on pense tout de suite à des personnes paresseuses, démotivées, désengagées, privilégiées, un tas de stéréotypes qui ne datent pas d'hier. Car figurez-vous qu'il y a plus de 100 ans, on les appelait déjà des rondes cuir. Vous savez ces coussins qu'on utilise pour se caler le dos quand on reste assis trop longtemps En tant que chercheur, j'oppose à tous ces clichés sur l'administration publique une vérité scientifique. J'ai donc consacré ma thèse à l'engagement au travail, c'est-à-dire le dévouement et l'investissement au travail des employés publics suisses. En fait, je me suis demandé pourquoi ces milliers de personnes se levaient tous les matins enthousiaste ou pas d'aller travailler et rentrer chez elle le soir, satisfaite ou pas du devoir accompli. Pour le comprendre, je suis allé à la rencontre de ces personnes dans leur incroyable diversité, des hommes et des femmes occupant différentes fonctions, assistants sociaux, informaticiens, paysagistes, urbanistes, et qui travaillent dans des organisations de toutes sortes, les cantons, les communes, les chemins de fer, la poste. J'ai voulu savoir ce qui était le plus important à leurs yeux. Envers quoi ils restaient loyaux, quel que soit l'emploi occupé ou même l'employeur. À partir de dizaines d'entretiens, j'ai fait émerger des concepts. Ensuite, en mobilisant les outils statistiques, j'ai testé ces concepts auprès de 2000 employés publics. Ce qui donne le résultat suivant. Comme nous le savons tous, l'administration publique, c'est pas un hors-bord. Encore moins la croisière s'amuse. C'est plutôt un immense paquebot. Par contre, ce que j'ai découvert dans cette thèse, c'est que ce bateau possède plusieurs ancres. Chacune de ces ancres est une raison pour laquelle les collaborateurs ont envie de s'engager. Toutes les ancres d'engagement au travail fonctionnent donc comme des aimants qui attirent et fixent les moussaillons sur le pont. Alors que jusqu'ici la plupart des chercheurs s'intéressaient à l'engagement organisationnel, j'ai découvert que l'engagement au travail des employés publics tenait dans les quatre ancres suivantes. D'abord, être au cœur des décisions de politique publique. Ensuite, aider son prochain à travers les services publics. Également, voir son travail affecter le devenir de notre société. Finalement, entretenir un lien direct avec les usagers des services publics, en fait vous et moi. Je vous invite donc, mesdames et messieurs, à jeter désormais un nouveau regard sur les employés publics. Surtout maintenant qu'on sait ce qui les fait vraiment kiffer. Car au final... Si on veut mettre en place des pratiques RH efficaces, vaut mieux savoir de qui on parle.